plus quand tu as un blanc, ça devient direct. Bon. Eh ouais, ils se font des blagues et tout, ils checkent tout. Ouais, ça va, vous arrêtez les mecs là, c'est pas vous qui faites le spectacle, là, ça suffit. Monsieur Badoo, Monsieur Doudou, première finale, c'est le Cypher of the Year, je compte sur vous. Est-ce que tu as la bonne galette? Le public, je vais vous demander de faire un battle et je vous aide, ça fait 3, 2, 1, battle! C'est 3 passages par danseur, 3 passages par danseur, c'est tout. Fais plus comme tu veux, toi. Sans faire qu'un. Allez. C'est pas madame Boudin qui décide. Allez. C'est monsieur B-Boy Doudou qui se lance directement. Merci de nous avoir donné encore la belle danse. Il est d'implantation personnelle en tout cas. Attends, faut que je fasse un ménage, je vais me faire engueuler. Vous êtes contents de mon passage quand même, malgré la fatigue. Moi, je vous applaudis franchement. Malheureusement, que je vous kiffe ou que je vous kiffe pas, c'est pas moi qui décide. Je vais me tourner vers les juges et ceux qui vont nous montrer qui va succéder à B-Boy Paki, qui l'année dernière a gagné le Cypher of the Year, et on lui fait une grosse dédicace. Mais dédicace à Paki, mon pote. Et aujourd'hui, qui de Dadou ou Badou, Doudou ou Badou, pardon, va succéder à Paki. Je me tourne vers les juges, ça fait. Et le public avec moi, ça y est sympa, ça fait. 3, 2, 1. Et c'est à l'unanimité, monsieur Doudou, qui devient le nouveau vainqueur du Cypher of the Year. Eh, hey, s'il vous plaît, pouvez féliciter son grain de folie. Est-ce que vous pouvez applaudir cet homme, s'il vous plaît? Applaudissez-le vraiment. Toi aussi, mon cœur, tout le monde.
Il a mérité largement. Bon. Et après, on va faire...